Mais Caroline, qu'est-ce que tu fais ici? Tu la fermes! Qu'est-ce que cette pétasse a de plus que moi? Dis-moi que t'as donné cette âne de fer pour que tu la confères à moi. Un peu de tenue, mademoiselle. Toi, Caroline, tu la boucles. Pétasse. Espèce de croqueuse de diamant. Et toi, si tu penses que je vais verser une seule larme, si c'est une seule larme pour toi, tu te trompes. Parce que des hommes, il y en a partout dans les coins de l'arbre. Ça court. Stéphane? Non, Nadine. Attends, je t'ai tué. C'est pas ce que tu crois. Attends, je t'ai tué. Attends, attends. Ton merde. Ah! Nadine, attends, je t'explique. Quand je pense que j'ai sacrifié toute ma journée pour t'aider à choisir une bague pour celle que tu allais me présenter comme future belle-sœur, c'est celle-là que tu souhaites épouser, une dévergondée, impudique et sans scrupule comme ça? C'est impossible. Grand frère, je t'en supplie, ne présente pas cette femme à maman. Elle est souffrante, son état de santé ne permet pas. Sinon, elle va sombrer, elle va succomber à ses maladies. Je suis désolée. Excuse-moi, Sophie. Ah, mais non. C'est ta sœur? Oui, son unique et seule sœur. Ramène-moi chez moi. Quelle honte. On y va? Non. Qu'est-ce que j'ai fait?